Oh, je suis chaud sa mère. Yo tout le monde, c'est Paf, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous, parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez les gars, exceptionnel. Mais oui, exceptionnel. Le Banks O'Brien, le monstre, mais qui est tellement beau gosse. Oi oi oi. Avouez. Après vous êtes peut-être plus beau gosse que lui encore, je sais pas, je le vois pas. Moi ce que je sais en tout cas, c'est que vous m'avez bombardé la barre de likes sur la dernière vidéo, les commentaires, tout ça, et je vous remercie infiniment. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide énormément, et ça m'aiderait encore si vous le refaites évidemment sur celle-ci. C'est, n'hésite pas. Oh merci les gars, vous êtes des monstres, vous êtes juste des monstres. Rien que pour ça, vous êtes encore plus beau que le Banks. Les amis, comme vous avez vu, on a fait du sale lors du premier match du lycée. Eh bien, sachez que la suite du lycée, on a fait des dingueries aussi. Surtout la finale lycée machin, là. On était trop forts. C'est faux. Franchement, Hendrix machin bidule, là, faut arrêter, frère. Il est... Non, mais frère, on joue pas au même niveau. Gros, il est trop... Mais surtout, nous avons dû faire un choix très important. Messieurs, dames, le Banks O'Brien est un joueur de Gonzaga, les gars. Eh oui, Gonzaga. Comme je vous avais dit, les mecs, le lycée, on l'a tous déjà fait, que ce soit sur PS4 ou PS5 ou Xbox, machin, bidule. Donc on s'en foutait tous. Mais moi, je vous propose là, maintenant, tout de suite, le premier match universitaire. Les premières galères du Banks O'Brien. Les premiers dunks contre... On va voir ça. Mais avant de commencer, on va peut-être pouvoir l'améliorer un petit peu. On a 1700 points, ok. Moi, je propose qu'on les mette un peu en rebond. Je vais mettre genre 5-300 en contre, ce qui nous fait monter, allez, à 70. Et le reste, on va le mettre en dunk en pénétration. Hop là, Banks to Banks. Et on passe 61, les gars. Eh oh. On a débloqué un petit insigne, les mecs, qu'on va mettre, je pense aussi, gardien du panier. Voilà. Donc, les petits frérots, posez-vous confortablement. Lâche ton plus beau like, abonne-toi, etc., etc., comme je t'ai déjà dit. Mais surtout, comme d'habitude, kiff. Et nous, on se retrouve pour le premier match universitaire du Banks O'Brien. Les petits frérots, on est parti pour ce premier match universitaire face à Oklahoma, l'université d'un petit et très jeune joueur qui s'appelle Trae Young. Nous devons faire du sale pour essayer d'être le drafté le plus haut possible. Il faut savoir aussi que l'université sur Next Gen, on peut faire plusieurs saisons, donc je sais pas encore si j'en ferai plusieurs. Aucune idée pour l'instant, vraiment aucune idée. Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas, parce qu'on veut tous évidemment... voir un petit Banks O'Brien évoluer en NBA, galérer en NBA et monter petit à petit en NBA et pas forcément à l'université. Parce que bah, les équipes c'est cool, enfin c'est marrant. Oh, on y va. C'est quoi cette défense mon frère? Honnêtement ouais, je sais pas mais je pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas ouais, j'ai décidé d'aller à Gonzaga, y a pas de raison particulière, j'avais jamais été là-bas. Déjà de 1. Et, oh, on est ouvert. Nice shot. Allez! On commence comme ça, les gars! Bang, bang, bang! Ça, c'est grâce aux 2 points qu'on a mis en 3 points. Bah, on a pas. Oh non, on a pas mis de points en 3 points. Ah! Évidemment, ils ont fait les dernières finales NCAA universitaires, donc forcément. Oh non! Eh, je défends bien, frère, je dois le contrer. On y va, on y va. Yeah! Wouhouhou! Mais frère, mais c'est quoi ce début de match? Non, non, non! Not in my heart! Et après, évidemment, c'est parce que vous m'avez légèrement influencé sur mes lives Twitch, hein, on va pas se mentir. Voilà, évidemment, les matchs de lycée, on les a fait sur Twitch. Évidemment, des matchs... Ok, on y... Oh, je suis un peu à la bord. Ok, attends, j'arrive. Ok, attends. Mes frères... Oh là là, il est trop fort, lui. Ok, défense, nice. Oh là 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 là, mais je suis un monstre. Mais je suis un monstre. N'hésitez pas à venir me follow, les gars, il va falloir qu'on avance petit à petit ce petit Banks O'Brien. Après, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu trop de questions là-dessus sur le premier épisode, mais en off, je ne joue pas, ok. Je ne joue pas en carrière en off, donc quand je suis pas en live ou en vidéo. Et les progressions, je les ferai seulement en vidéo. Donc à chaque fois, vous allez voir comment je l'améliore le Banks, vous allez voir comment je vais galérer avec le Banks tout le temps. Il y a eu vraiment aussi beaucoup de commentaires... et d'avis positif par rapport à ce projet, par rapport au fait d'avancer petit à petit. Ok, on va le donner à Thompson, il va le mettre, c'est sûr. C'est sûr, ça rentre. On va en rebond. Oh! Oh là, je suis un monstre. Un one. Non! Attends, tu m'as vu. Attends, on va le jouer. Ok. Ok, on finit. Oh là là, eh, mes frères, mais quel monstre. Je ne peux pas changer la difficulté à l'université, hein, je précise. On jouera en Hall of Fame, comme vous le savez, en NBA. Mais je peux rien changer à l'université, on est à la difficulté de base. Donc je pense que ça doit être du pro ou un truc comme ça, ça reste assez simple. Hein. Ça reste compliqué quand c'est 62 gènes, mais... Oh, merde. Attends, j'y vais maintenant. Rebond, eh, je suis un monstre, frère. Franchement, Rudy Gobert n'a qu'à bien se tenir, hein, je te le dis. Mais non, merci beaucoup pour tous les nombreux commentaires, etc. Je sais évidemment que ce projet, que cette carrière inédite, de monter le Banks en mode réaliste, petit à petit, tout ça... Je sais que vous êtes énormément à le faire de votre côté, hein. Vous êtes pas forcément beaucoup.
à mettre des VC dès la sortie d'un jeu ou d'avoir une édition Mamba. Oh bâtard. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, frère? C'est ma maison, c'est mon panier, bouge de là. Mais bon, oh, je kiffe, franchement, mais quel bonheur les... Oh, je suis passé. Attends, attends. Oh, 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 oh. Dommage. On a le tech équipe, on le prend, mais je vais contrôler que mon perso. Oh là, ça va barder, les gars. Oh là là, ça va barder, les gars. Mais ouais, je sais que vous êtes très nombreux à faire une carrière sans rajouter de VC. Et je vais découvrir ce que vous vivez, les gars, depuis toujours, en fait. Donc, oh, bah vas-y, j'y fais un, merci. Et merci. On est parti sur un début de match de fou furieux. Hein. Nanana, l'université, ça va être compliqué. Nanana. Faut que j'en profite, les gars. La NBA, comme vous savez, ça va être la... Ouais, ça va être compliqué. Par contre, je suis désolé, je suis tout excité, je vous jure. C'est un bonheur, cette carrière. Je prends un bonheur de fou furieux. Enfin, je sais pas, cette carrière, ça me hype de ouf. Je sais que... Il y a rien, au final, d'extraordinaire. Mais... Et moi, j'ai jamais fait. Donc, franchement, ça me fait trop kiffer. Et comme vous savez, ce... Le Pafus, on s'est baladé, c'était trop facile, c'était franchement, à part un ou deux matchs qui étaient vraiment trop lourds, on s'est fait plus ou moins pas chier, tu vois, mais c'était facile, tu vois. Donc moi, cette carrière, ça me fait kiffer, et franchement, quand je vois les retours en plus de la première vidéo, quand je vois vos retours sur les réseaux sociaux, quand je vois les live Twitch, comme vous kiffez tout le Banks, c'est un bonheur. En vrai, c'est un bonheur, ça me fait kiffer, et moi je kiffe, et franchement, merci les gars, franchement, merci beaucoup. Attends, tu m'as vu, on redonne au meneur. Putain, en tout cas, ces commentateurs qui sont tout le temps aussi chiants. Hein. Je peux pas les enlever non plus, mais quelle horreur. Hein. Oh, je suis tout seul. On va faire son jeu aux gens, on tempo. Je te fais un écran, prends-le. Oh! Ok, première passe. Ok, le coach me sort, les gars. Je vous rappelle que à l'université, c'est demi-temps. Ça va des matchs un peu plus courts. Là, on a le coach qui me rend 2 minutes avant la fin. Donc ça, c'est plutôt cool. Plus il me fait jouer, mieux c'est. Mais en vrai, je fais un bête de match, hein, donc c'est lourd. 33 à 11 pour nous, mon dieu. Réforme dans mon coin. Oh, il m'a fait un écran. Bah, on y va. Ok. Ok. Là, c'était mon côté croqueur, les gars. Faut que je m'adapte encore un petit peu. J'ai l'habitude d'avoir la balle, tout ça, tu vois. En tout cas, fin de la première mi-temps. On leur met une petite tôle des familles. 12 points, une passe, 7 rebonds et 3 contre. J'espère que vous kiffez, que vous passez un bon moment, que vous kiffez vraiment autant que je kiffe moi. C'est un bonheur. Vraiment, j'arrête. Je me répète, c'est peut-être relou, mais c'est trop long. Ah, voilà, attends, j'arrive. Je te fais un écran. Attends. Viens là. Voilà, vous avez vu, il commence à prendre... Oh, ok, un peu trop la confiance. Mais surtout, à prendre mes écrans un peu, là. Le premier, bon, c'était lycée, donc ils étaient tous des nazes. Mais à l'université, déjà, ça joue un petit peu mieux. Hein. Vraiment, le lycée... Je suis désolé si j'ai pas mis beaucoup de... Enfin, j'ai fait qu'un match de lycée en vidéo. Parce que je trouve pas ça très intéressant, tu vois. Et vraiment, pour le coup, c'est vraiment... Bah, c'était très ennuyant, hein, je vais pas vous mentir. C'était très ennuyant. Et après, les cinématiques, comme j'ai dit... Je vais mettre, voilà, l'idée c'est de vous mettre les plus importantes. De vous mettre celles qui sont cool. Et pas forcément mettre celles qui durent 10 ans et qui sont un petit peu chiantes. Ok. On le joue au poste. Oh, c'est joli ça. Putain, dommage. Après, concernant les équipes NBA, je vous avais dit, les gars, qu'on va faire une draft du coup plus ou moins réaliste. On va sélectionner 3 équipes. Et oh, je suis un peu loin. Bah oui, on remonte. Let's go! Oh, hey, mes frères, ils peuvent rien faire! Ils peuvent rien faire du moment que je me lève au bon moment. Ils peuvent rien faire, gros. 4 contre. Et au niveau des équipes NBA de cette fameuse draft plus ou moins réaliste, vous êtes plutôt d'accord, les gars, sur Charlotte. Il y en a vraiment beaucoup qui me parlent de Charlotte. Il y en a beaucoup qui me parlent de Détroit. Et il y en a beaucoup qui me parlent de Portland aussi. Après, Portland, je sais pas. Je sais qu'on va galérer, ok. Surtout au début, forcément. On va vraiment galérer. Ça va être une horreur. Oh, dommage. Mais je sais pas si Portland, ce serait trop facile ou pas. Surtout quand le Banks, il serait un peu plus fort, tu vois. Donc, dites-moi, les gars, si je devrais mettre Portland dans cette troisième liste. Ok, je me suis bloqué. Attends, j'arrive. Vas-y, donne. Non, mais je voulais jouer au poste. Oh, tu l'as? Non, attends. Hop, je te fais un écran. Magnifique. Il le prend, il le met. Il est trop fort. Il est trop fort. Par contre, ma passe D, hein? Voilà, merci beaucoup. Donc dites-moi, ouais, si en troisième équipe, Portland, ça vous ferait kiffer et tout. Le coach me sort, les gars, j'espère qu'il va me rendre très vite. Vous savez tous que je kiffe Portland. Et donc forcément, il y en a beaucoup qui aimeraient me voir jouer aux côtés du Dame, du CJ et tout ça. Oh bah vas-y, j'y suis, hein, j'ai... Waouh, bien wesh. What? Ah, ok, c'est le truc du dunk et tout. Dunk, j'avais oublié cette cinématique. Dunk puissant à une main, double clutch inversé. Je vais faire un double clutch inversé. Ok. Yaaaaah, mais quel monstre. Ok, je vais aller dans le corner, ou pas. Attends, je te fais un écran. Attends, déjà, vas-y, donne. Il est tout petit, les gars, il est tout petit, je le joue. Voilà, on finesse, les mecs. Ok, on y va. Bonne dé. Le rebond. Et voilà, presque le deuxième take. Tiens, les wins.
Attends, tu m'as vu dans... Attends, j'arrive. Tiens. Allez, prends mon pic. Je pop. Et ça va pas compter la passe D. Allez, venez dans la raquette, les gars. Venez dans la raquette. Venez dire bonjour à ma petite main, là. Je voudrais qu'on donne un nom à notre main. Genre Josh. Jackie. Je sais pas. Genre... Dites-moi, franchement, dites-moi là dans les commentaires, les gars, dites-moi. Et on va voir au moins s'il y en a qui regardent encore la vidéo à ce moment-là, vu qu'on leur met une tôle là. Oh là là, et regardez la vitesse que je vais. Oh là là, petit passe au-dessus de l'épaule là. Ok, le coach me sort, les gars, et je pense qu'il ne va plus me re-rentrer. Et non, victoire 58 à 25, messieurs dames. Bon, bah c'était là, franchement, un peu surprenant. On s'est un petit peu baladé, on s'est fait kiffer. On s'est fait plaisir, moi j'ai bien kiffé le match. Donc, bah j'espère que vous aussi, les gars. Parce que j'ai le droit, non? Hey, why'd you dunk the ball like that? Felt like the right time to energize the team. All right, you're gonna have to make a decision about what type of player you're gonna be, how you're gonna represent yourself and this school. Would your dad have made that play? Bah ouais, on s'en fout de mon père en fait, c'est ce que je veux, non? C'est juste un dunk, frère, allez! Ça va. On s'en fout, ton... Putain, il est relou. I'm at my school. I'm bleeding out colors, but I lived on the bench. One particular game, everybody was in foul trouble, so I get tossed in. Now I'm thinking good. It's my moment. Vas-y, c'est bon, allez. Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la notif. On se retrouve tous les mercredis, samedi pour une nouvelle vidéo carrière. Donc voilà, à vous de jouer, les gars. Je compte sur vous pour me faire kiffer encore avec vos likes, vos commentaires. Et évidemment, vidéo tous les lundis, toujours pour les paf soleil, le reste, etc. Donc voilà, faites-vous kiffer, les gars. Faites-vous kiffer. Allez, c'était ton gars, paf. Merci à tous pour votre soutien. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Peace.